Donc, bienvenue à la fête du romarin et aux journées internationales des forêts, avec donc pour la fête du romarin, le romarin, que l'on peut voir en pièces tout simplement finies ici. Donc ici, avec les gros romarins, hein, parce que le romarin peut être gros tout simplement. Et j'ai fait le cadre avec la peinture à l'encaustique. Et on peut voir que je fais partie de la route des métiers d'art d'Occitanie. Donc, on va reculer pour voir un peu le stand. Donc, avec une présentation intérieure, car dehors, je vais vous le montrer, il pleut pour l'installation. Donc voilà, avec évidemment donc la pomme de pin, bien évidemment. Je vous présente le petit journal qui a présenté la fête du romarin tout à Tavel, mais aussi à mon nez la fête de la forêt. Et c'est le seul média qui l'a fait local, bien évidemment, avec la pomme de pin. Donc on peut voir les pièces avec tout simplement le bois d'immortel ici, le bois de plante aussi. Évidemment, donc ça c'est du pin, du genêt, la pomme de pin. Les variétés de pommes de pin, le mûrier, les couteaux. Et puis ici, c'est les couteaux pommes de pin, hein, avec la vraie pomme de pin, bien évidemment. Merci les écureuils, car sans eux, il ne pourrait y avoir ce produit. Et ici, c'est tout simplement le bois de romarin que j'ai récupéré. Donc on peut voir ici, donc il va être scié, et puis il y aura une partie qui sera faite tout simplement que pour vous, hors public, pour être tout simplement pour pouvoir profiter de cette journée aussi là. Donc voilà, le stand, il est intérieur, il pleut dehors. Et sinon, donc je suis dans l'écomusée du miel. Donc je vais vous faire une petite visite en même temps. Voilà, ça va s'allumer, hein. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Donc avec les ruches, les anciennes. Voilà. Aussi le passage sur les photos, les animaux qui sont ici. Tout simplement, je vais vous montrer les ruches de l'écomusée du miel, vu que c'est le lieu de la fête pour ce 14 mars 2021. Voilà un peu de douceur, un peu de montagne. Dommage qu'il y a les reflets, mais enfin, c'est comme ça. La partie sur les oiseaux. Et puis finir sur le nid de frelon. Donc celui-là. Et puis celui-ci, sur lequel vous pouvez voir sur autour d'eux tout simplement comment il a été récupéré. J'y ai personnellement participé. Donc voilà, un petit tour. On est dans la salle vidéo, tout simplement, hein. L'abeille, le bois de romarin, mon stand, il est là. Ben, dommage que dehors, c'est la pluie, mais enfin, il y aura quand même, donc, tout simplement, cette fête de la forêt. Donc, voilà la première vidéo que je termine sur le bois de romarin travaillé. Donc ici, et je vous dis à bientôt parce que je vais tourner une autre vidéo qui sera uniquement avec le bois de romarin. Et pour vous, allez, merci, au revoir.